Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour apprendre à dessiner une vache. Alors c'est parti pour la petite vache. On commence par un ovale. On prend la moitié et on monte. Et là on va prendre cette distance ici. Tracer un petit trait, pas très très grand. Ça sera le haut de la tête de la vache. La même distance des deux côtés et on va descendre comme ceci, mais on va essayer de légèrement courber. Alors c'est vraiment très très léger pour pas que ce soit trop géométrique, trop dur comme trait. J'aime bien arrondir légèrement. Ensuite on prend la moitié de l'ovale et en dessous on va mettre les grosses narines. Nazou, hop. Ici, on va lui mettre ses yeux. Les oreilles. Des deux côtés. Ne pas oublier les petites cornes. Et un petit peu de poils, de cheveux, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà. Ensuite, pour la forme de la vache, pour le corps, on peut lui mettre comme un espèce de rectangle arrondi et même lui remonter légèrement un peu les fesses, pourquoi pas. Le popetin. Voilà. Ici, elle va avoir ses deux petites pattes. On va faire des demi-cercles aussi. On peut même les monter un petit peu. Voilà. Je mets deux épaisseurs. Et là, on peut faire comme des petits V pour les sabots. On trouve aussi la même chose sur les cochons. Je peux même remonter un petit peu cette courbure. Voilà. Et ici, la bouche. La petite queue. Et ne pas oublier, sur certaines vaches, les taches, puisqu'il y en a de toutes les couleurs. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié à ma petite vache. Hop. Si j'ai oublié quelque chose, c'est une vache. Le pi. Alors, c'est comme un rond qui dépasse ou un ovale qui dépasse et on va lui mettre comme des petits doigts et il y en a quatre. Alors j'en ai mis trois et un peu derrière. Voilà pour ma vache. Hop. L'autre jambe derrière, l'autre patte. Et voilà. Alors, à côté de ça, je voudrais vous faire une vache un peu de face. Alors, on reprend l'ovale, comme on a pris à l'instant. Désolée pour les bruits de mobiette. Voilà. Alors, si je la mets bien droite, hop,
Alors, elle est un petit peu lourde. Donc, c'est assez fin sur... on va faire un ovale comme ça. Je le fais au fur et à mesure. Hein. Je n'ai pas préparé. Voilà. Et là, je vais lui mettre tout son corps qui est assez lourd et posé. Ça. Et à la limite, même, hop, elle tombe un peu comme ça. Faut qu'elle se tienne, la petite vache. Hop. Bon, c'est pour vous donner une idée de ce que vous pourriez faire un petit peu toujours dans le même dans les mêmes formes, quoi. Et puis là, on peut lui poser. Ses sabots. Alors là, c'est deux faces. Hop. Dans l'autre sens. Voilà. Et alors son pis. Voilà, c'est sympa les enfants à dessiner le pis d'une vache quand elle est assise. Truc légèrement improbable. Allez, j'enregistre quand même. Hein. Voilà. Hop. Elle est contente. Eh, mais ce que je pourrais lui faire aussi. Alors, comme un. Ça, c'est du plus. Hein. C'est du plus, on n'est pas trop dans la conception avec les formes. C'est son petit collier. Alors, si vous voulez faire une cloche, vous faites un rond, un ovale pour des traits de construction. Ensuite, vous redescendez comme ça. Voilà. Et là, vous avez votre cloche. Regardez ça. Et pour l'intérieur, vous pouvez même faire quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est surtout pour les parents, hein, parce que j'étais un petit peu vite. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Hop. Voilà. La vache vous salue. Elle est un petit peu grande, ma patte, de ce côté-là. Elle est un petit peu grande. Alors, allez, toujours dans le j'imagine au dernier moment, dans l'improvisation, si j'ai ma petite vache, parce que ma patte est un petit peu longue. Je sais. Voilà. Du lait. Bon, elle va se renverser la bouteille. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Une autre cloche. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de cette vache? Parce que... Voilà. J'aurais dû faire un arbre, voilà. On a... palissade. Je vous raconte une histoire, là. Voilà. Un arbre. Je sais même pas si ça... Ouais. Hop. C'est un pommier. D'ailleurs, elle a attrapé une pomme. Voilà. Hop. Et
Et je pense que c'est pas mal. Je vais peut-être m'arrêter là. Je vais plus avoir de place. Bon, donc voilà, c'était pour la petite histoire de cette deuxième petite vache. Ça va plus loin qu'un cours là, c'est une démonstration. Bon, j'espère quand même que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain cours. Au revoir. Non, j'ai dit non, t'arrêtes de dessiner, ça suffit. Non, stop, ça suffit.